Hey, salut à tous, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 du Walkthrough d'Assassin's Creed Revelation. Alors rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé à chercher les... Enfin, je crois même qu'on avait trouvé tous les livres d'ailleurs pour la deuxième clé de Masyaf. Donc là, on va aller la lire, hein, comme pour la première. Donc je me suis permis de m'avancer jusqu'à l'objectif, comme d'habitude. Je tiens juste à dire que j'ai réparé mon armure et acheté des bouts d'armure que j'ai plus. Donc voilà, j'ai été reprendre de l'argent, je me suis acheté une petite nouvelle arme. Je crois que c'était le couteau arabe, un truc comme ça. Et c'est tout, je crois. Donc voilà, je tenais juste à le dire. J'ai pas vraiment avancé à fond. J'ai juste acheté ce que je pouvais, parce que, comme je l'avais dit, hein, tout simplement acheter des bouts d'armure et retirer de l'argent. Et vu que j'étais juste à côté, bah, ça tombait plutôt bien. Donc là, on va se rapprocher de la clé de Masyaf, tout simplement, et pouvoir la lire comme pour la première, et pouvoir revivre les souvenirs d'ATR. Donc c'est parti. Le chargement de la mort qui tue, avec ses piliers et tout. Donc je me rappelle plus vraiment quel souvenir on va revivre d'Altaïr. On va bien voir ça. Mais alors après, il nous restera encore 3 clés, c'est tout. Le jeu va vraiment être vite fait, hein. Je pense que le walkthrough va vraiment être vite fait. Après, il restera juste les épisodes avec Desmond à faire, qui est le DLC. Donc c'est tout. Mais sinon, ça va vraiment aller vite. Je sais pas vraiment combien d'épisodes on va prendre, mais je pense pas qu'on va en prendre une tonne. Plus de, moi je dirais 20 minimum, ça c'est sûr, mais ça se trouve on en fera peut-être moins. Et après je sais pas quel opus je vais faire. On verra bien. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et ramener la paix. Jamais. Pardonne-moi, Mentor, mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, elle s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meures. C'est vraiment fini? Ce sorcier est-il mort? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt? Oui, mais... Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Accepté. Donc je crois que là on va juste devoir poser le corps de Al-Muhallim sur les cendres et on va devoir le faire cramer. Si mes souvenirs sont bons, on verra bien. Et tout le monde a peur parce que voilà, on vient de tuer notre chef. Pardon, j'ai une ordure à mettre aux déchets ménagers. Poussez-vous. Quand même, je suis désolé, mais Altaïr a quand même plus la classe qui est désolé. Là par contre, voilà, comme je l'ai dit dans je sais plus quel épisode, c'est juste sa voix de cet opus que j'aime pas. Mais par contre, je trouve que la tenue d'Altaïr, voilà, est toujours... Pour moi, la bure est vraiment ce qu'il y a de plus classe. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est le seul cosplay que j'ai fait. Déjà parce que c'est le plus simple, et parce que je trouve que, par sa simplicité, il reste classe. Mais, que s'est-il passé ici? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve? Accompagne-moi, Abbas. Et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le... D'ailleurs, sans vous spoiler trop, voilà, quelque chose qui va se passer sur AC4 Black Flag. Ouais. Quand on le fera, bon, ce sera pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais dans AC4 Black Flag, il y a des ordinateurs à pirater, ça vous le verrez, parce que je le ferai quand même. Mais parmi ces ordinateurs, ils disent apparemment que la personne qui est à côté d'Altaïr, là, je sais plus son nom, je suis désolé, en plus ça se trouve, ils l'ont dit dans la vidéo. Vous savez, moi, le nom des personnages, j'oublie vite. Et apparemment, lui serait plus propice à vivre une aventure. Donc les Templiers, on essaie de récupérer ses gènes pour pouvoir les revivre. Thank you.
Altaïr ! Non ! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois ! Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts ! Mécréant ! Écoutez-moi ! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge ! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le ! Vous ne l'écoutez pas ! Al-Mualim a été ensorcelé. Oh ! C'est reparti! Désarmer les assassins pour empêcher une guerre civile, deux personnes. Alors je sais même plus comment. Si, normalement ça va juste être comme ça. Donc je crois que. Je sais plus s'il est sous la possession de la pomme ou je sais plus quoi, mais. En tout cas, il a perdu vraiment la boule. Mais en même temps, c'est compréhensible. On vient de tuer leur chef. Tu te doutes que bah, certains vont être d'accord avec Altaïr, mais d'autres, bah, ils vont pas du tout être d'accord. C'est-à-dire, attends, tu viens de tuer notre patron, on va pas te laisser faire. Alors attendez. Je suis en train de me gourer, voilà. Allez, à toi maintenant. Allez. Et voilà, en faisant ça, en montrant bah, qu'on tue personne, puisque bah, on reste tout de même, voilà, on va pas tuer nos frères. D'ailleurs, je crois qu'on le fait dans je sais plus quel opus, mais on tue nos frères assassins. Mais oh, on commence. Mais pour vous dire, voilà, vu qu'on est des armes, bah, ils peuvent pas dire qu'on est contre eux. Allez. Hop. Bon, c'est assez simple, et voilà. N'avais-je pas raison, Altaïr ? Abaf ! Non ! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé ? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque ! Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père ! Mon père était un héros ! Il est trop tard pour ressasser le passé ! Nous devons décider quoi faire de cette arme. Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser. Personne ne l'est. Oh, elle est magnifique, en effet. Voilà, trop vouloir jouer avec un truc qui s'est pas maîtrisé, bah ça fait ça. Alors, on est parti. Oula, vache. J'avais oublié cette séquence-là avec les coups de boost de la pomme. Par contre, là, j'arrive pas à trouver... Ah, voilà. C'est ça que je veux. Même pas, ça veut pas. Bon, bah, on va monter carrément au château. Ah, il est en train de perdre sa vie, merde. Et je sais plus si c'est le fils d'Al-Mualim. Je veux pas dire de conneries, mais enfin bref. Apparemment, son père est décédé pour la confrérie. Putain, ça fait mal. Je me rappelle plus de cette scène là. Normalement je devrais être bon si je prends le. Si je passe par ici. J'espère. J'ai envie de tester par là. Non. J'avais envie de tester mais non. Oh vous savez quoi, pire on va faire ça. Ah mais non, il est. Ah oui il est là. Purée, moi je croyais qu'il était dans le château carrément. Oh là 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 là. Je suis désolé, j'ai la tête complètement arrière. Je pensais qu'en fait il était en haut du château quoi, mais non. Non, non, il est juste là. Pourquoi il veut pas monter là, d'ailleurs? Voilà. Ouais, par contre, il va falloir juste faire gaffe au coup de boost de la pomme d'Eden, parce que ça va faire mal à chaque truc. Normalement, il devrait pas en faire tout le temps. S'il en fait un là, je suis dans la merde. C'est bon. Oh la vache! Ah bah voilà, c'est bon. Hop, je prends la pomme, désolé. Est-il arrivé? Mort? Je ne savais pas. As-tu des choses à nous apprendre? Ou bien provoqueras-tu notre perte? Thank you.
Et bien voilà les amis, on vient de finir notre seconde mémoire d'Altaïr. Donc là, c'est vrai que cette foutue pomme d'Eden aurait vraiment foutu la merde, en tout cas à l'époque d'Altaïr. Puisque bah, c'est quelque chose de trop puissant pour n'importe quel humain, enfin à part celui qui arrive à la contrôler, mais ça reste une saloperie avec une puissance tellement énorme que ça provoque trop de dégâts quoi. Aussi bien physiquement que matériellement. Altaïr, tout juste 26 ans, et déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités et un pouvoir sans limite ? Bon bah voilà, en attendant nous on va aller continuer ce petit scénario. Ah bah, changement de séquence, fin de séquence même je dirais. Séquence combien d'ailleurs, on va voir ça tout de suite, je serais étonné de voir où on en est sur le jeu. Séquence 4, je crois qu'il y en a 8, ah, je sais plus s'il y a 8 séquences, on verra bien. Je vais regarder après juste par curiosité. Donc là voilà, on vient de passer, fallait s'en douter vu la fin de l'épisode 10 hein, que on allait terminer cette séquence 4 et ainsi que la mémoire d'Altaïr, puisque d'un prince ottoman nommé Suleyman. C'est un jeune homme intelligent, animé d'une détermination si rare pour son âge. Je vais suivre son conseil et enquêter sur des janissaires qu'il soupçonne de comploter avec les Templiers. Avec un peu de chance, ils me mèneront à leur chef. Pendant ce temps, mon amie vénitienne, Sofia Sartor, continue de m'aider à localiser les clés de Masyaf. C'est une femme appliquée, pleine de passion et d'énergie. Sa compagnie m'enchante. Mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici, ni ma véritable vocation. Ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer. Séquence numéro 5, héritier du trône. Donc on va un peu plus avancer. Parce que je trouve que le début à chaque fois, en tout cas celui-là est un peu lent. Et quand on sera sur AC3, ça sera encore plus lent. Mais je trouve que là on va enfin un peu avancer mieux. Entre guillemets. On a deux mémoires, bah je pense qu'on va faire celle qui est plus vraie, hein, tout simplement. Donc c'est parti les amis. Touchez ce tapis, appréciez sa qualité. Vos pieds vous aimeront plus que votre épouse. Je ne suis pas marié. Ah, oh, quel homme chanceux! Venez le toucher! Les affaires ont été bonnes. Je n'ai rien vendu! Les janissaires ont confisqué la plupart de mes tapis sous prétexte qu'ils sont importés. Vous connaissez Tariq Barletti, leur capitaine? Oui, il doit être dans les environs. Un homme arrogant, mais... Oh, quelle injure, monsieur! Je ne le vends pas à moins de 200 akshay. C'est ça ou rien? Quand je le verrai... Je lui demanderai pour les tapis. Vous êtes dur en affaires, étranger. Entendons-nous pour 180 ? 180 akshay, et nous nous quittons, bons amis. Accepté. Localiser Tariq Barletti. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop parlé pour le début à cause de toutes ces cinématiques. Oula, je vais juste réparer ça. M'en voulez pas, hein, je répare juste pour gagner plus d'argent après. Bon, je le fais maintenant vu qu'on est à côté. Je sais pas si après on va continuer le livre ou pas, on verra bien. Je vais sûrement faire les deux épisodes, hein, comme d'habitude, d'affilée. Si j'ai le temps, logiquement, je vais pouvoir. Donc vous sentirez peut-être pas la coupure. Je vais juste faire un petit truc avant, on va faire pause. Et je vais regarder ce qu'on en est niveau ADN. Tout simplement par curiosité pour savoir à peu près dans combien de temps on va finir Assassin's Creed Révélation. Alors, séquence 5, donc nous on a commencé celle-là. 6, 7. Ah non, attendez. Ah non, on me dit pas que c'est la dernière synchro quand même. Non, on n'est pas à la dernière épisode, non. Bon, apparemment, c'est pas comme sur les autres opus où on voyait déjà les séquences. Bon, on verra bien. On verra bien combien il y a de séquences. Au pire, en off, j'irai regarder ma partie de tout à l'heure, mais ouais, c'est pas bien grave. Alors, c'est parti pour chercher la cible. Il doit pas être très loin. Vu que je vois ses traces voilà. Par terre.
Cible repérée. Ah bah oui. J'arrive pas à cibler ce rhume. Ok, il y a juste à le suivre. Bon bah ça va aller vite. Je sais pas si je suis recherché ou pas, si je suis un peu recherché. Bon, ça devrait le faire quand même. J'avais pas des courtisanes tout à l'heure à côté. Ah, elles sont dehors. Ouais. J'aurais dû les emmener avec moi. Dites-moi dans les commentaires si vous m'avez toujours pas dit. Bon, je sais que en ce moment mes vidéos bide. Donc, bon, je m'en fiche un peu. Hein. Comme je l'ai dit pour ceux qui me suivent vraiment, moi j'arrêterai jamais. Enfin, j'arrêterai YouTube quand ça sera fini quoi. Mais tant que j'ai du plaisir à faire des vidéos, je continue quand même. Après que mes vidéos fassent 1 ou 1000 vues, je m'en fiche. C'est sûr que quand ça fait 1000 vues, je suis plus content, mais c'est très rare. Ou alors c'est compréhensible. Par exemple, récemment sur ma vidéo Lego, j'ai fait, je crois que je suis à plus de 2000 vues. Mais c'est compréhensible parce que simplement c'est un phénomène entre guillemets en ce moment. Les gens, avec le film Lego, les gens redécouvrent les jeux Lego. Les jeux, enfin pas les jeux Lego, les vrais jeux Lego. Les gens redécouvrent les jeux vidéo Lego. C'est compliqué, ça fait beaucoup de jeux, mais enfin bref, vous avez compris. Mais voilà, c'est bon, je pense que c'est grâce à ça que j'ai un peu fait plus de vues. Bon, après, il y a certaines vidéos que je fais plus de vues parce que c'est un gros titre, comme du GTA V, du Battlefield 3, etc., etc. De toutes les créations de Mehmet, je commence à croire que ce bazar est la plus belle. Si vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Dégagez le passage. Mais bon, après, c'est vrai que les walkthroughs d'Assassin's Creed, enfin, sont pas vus non plus. Et Révélation, étant donné que j'ai vu apparemment que pas mal d'entre vous l'aimaient pas, et que pas mal d'entre vous ne regardent pas justement parce qu'il n'est pas l'opus. Donc bon, c'est pour ça que je suis pas vraiment étonné de pas faire beaucoup de vues, puisque bah je sais que l'opus n'est pas très aimé. J'espère que ça reviendra d'ici les prochains. Mais bon, après moi, voilà, comme je l'ai dit, je m'en fiche. Et du moment que j'ai du plaisir à le faire, je le fais. Et si j'arrête pas les walkthroughs aussi, c'est tout simplement que je trouverais débile de lancer par exemple tout de suite après AC2 de faire AC Black Flag. Alors que voilà, il y a eu d'autres opus entre deux, et tant que je peux en faire, bah autant les faire. Il y a juste Bloodlines que je suis un peu déçu. Pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed Bloodlines, c'est un opus qui est sorti sur PSP, que je trouvais intéressant de faire, mais je sais pas comment on fume avec une PSP, et j'ai un peu la flemme de chercher, je vous l'avoue. Mais bon, voilà, si un jour j'arrive, je le ferai. C'est une réunion importante. Veille à ce que je ne sois pas suivi. Ça va être la mission gnangnante du moment. Je vous prie d'accepter. Si je parle pas trop, voilà, je voulais pas me faire repérer. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. J'espère juste que les assassins vont faire leur boulot. Enfin, ou l'assassin, je sais même pas combien on a recruté d'ailleurs. Faudrait que j'en. Je pense à en recruter si je peux. Pas vraiment pour. Purée, y a pas. D'habitude, y a une entrée à chaque truc. Mais... allez, 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 allez. Je suis désolé. Je reprends, je suis désolé, ça a dû vous arracher les oreilles. Je m'attendais pas à éternuer. J'étais surpris. Mais comment dire. Je suis perturbé. Pour recruter des assassins, pas pour faire les attaques de guild ou je sais pas quoi comme connerie. Mais juste au cas où, ça peut quand même nous servir pour appeler des assassins. Donc quand j'en verrai, je les aiderai. Histoire qu'on ait plus de barres de. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh! Il est ouf lui! Ah, j'avais oublié ça qu'on pouvait nous tuer. Oh le bâtard! Heureusement que j'ai eu le réflexe d'appuyer sur la touche parce que la vache. Mais voilà, dès que je pourrais recruter des assassins, je le ferai. Checkpoint atteint, bah purée, il est vraiment long, ouais. Je sais pas où il va. Quoi, il me voit d'ici? Oups, bah, autant pour moi. Autant pour moi. Allez. Allez! Oh, c'est sûr. Bon bah en attendant, je vais acheter des légumes. Alors, qu'est-ce qui était de bobo avant? Non mais sérieusement, il arrête de regarder par là. Ah bah j'ai l'eau qui est maintenant. Bon. Oh purée. Le mec il va durer 3 plombes à regarder. Bon, je vais m'éloigner au loin. On verra bien ce que ça va donner. Non, il veut toujours pas me lâcher les bottes. Là tu me vois plus. Non mais allez, sérieusement. Ah voilà. Bon, je sais pas, il a eu un petit bug, ça arrive. Mais bon, on va passer la vidéo dessus. Oh purée.
Là par contre, là j'avoue que c'est normal que tu m'aies vu, monsieur. En plus, je pense que tu vas aller derrière les gardes là-bas, logiquement. Ça sent... Ouah, j'ai cru que j'allais faire un putain de saut. Non, il va même pas aller derrière eux. Si. Si. Voilà. Je voulais juste m'accrocher là-haut, histoire de passer plus vite. J'essaye d'aller plus vite que ça. Voilà. Il est où? Il est là-bas. Je sais pas, ça fait quoi si je vais là-dessus? Ok, ça fait rien. Poum. Bon, ça, c'est à peine discret. Par contre, j'ai vu... Voilà, faut la vache. Ah merde, il y a l'autre là-bas. Bon, je vais appeler les assassins, on va bien voir ce qu'ils vont faire. Allez, 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 les gars. Allez. Voilà, merci. J'espère juste que ça va pas me permettre de me faire repérer. Oh purée. Oh purée, oh purée. Ah, je voulais juste descendre là, moi. Allez. Voilà. Dans le petit tas de foin, on est tranquille. Je sais même pas si ça servait à quelque chose de faire ça, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, au pire, on va continuer de le suivre quand même. Je sais pas jusqu'où qu'il va, mais la vache, en tout cas, on y va. Bon, ma part, ça va être bien parce que là, je vais pouvoir avoir l'avantage au-dessus. Ou alors, je parle trop vite. Il y a un monsieur qui me voit. Ah, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. T'es où? Ah! Voilà! Le saut que j'ai fait, par contre, abusé. Eh bah purée. Je suis désolé pour la vidéo d'aujourd'hui que ça va être de la marche. Enfin non, on aura fait la mémoire d'Altaïr quand même, qui était assez importante, et on a changé de séquence. Donc bon, c'est pas un épisode dans le vent aujourd'hui, on aura quand même fait de la mission. Même si j'avoue, les missions qu'on doit suivre des personnes, des fois j'aime bien, mais là, pour le coup, cette mission là, non. Dans AC2, ça me gênait pas du tout d'en faire, mais là par contre, c'est chiant. C'est d'un chiant, mais c'est horrible. C'est même pas passionnant à faire ou quoi que ce soit. Je sais que dans tous les Assassin's Creed, il y en a, hein, mais des fois, je sais pas, à la limite, quand tu dois suivre quelqu'un, tu dois faire gaffe de pas te faire repérer par les soldats, etc. On va dire que c'est moins chiant, mais là, tu parles, t'as deux soldats qui se battent en duel. Ça vaut vraiment pas le coup de le faire. Bon, tu vas aller sous le pont, toi? Enfin, j'imagine. Voilà. C'était gros quoi. Oh, je crois que j'ai un souvenir de ça. Il va pas s'arrêter au milieu du pont, un truc comme ça? Ou pas en fait. Non, ou pas. J'ai cru. Bon, ou alors ça va être une quête secondaire ou un truc dans le genre, mais. J'ai un souvenir de ce pont là. Bon, voilà. Oh, c'est tellement lion. Oh merde! En plus, je me fais repérer. Oh non. Alors là. Oh purée. Comme c'était pas déjà assez chiant, j'ai l'idée bête de me faire repérer. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher. On va finir ça aujourd'hui quand même. Hein. Faut vraiment qu'on finisse cette finition, entre guillemets. Ah oh, purée, on arrive là en plus. Comment je vais faire, hein, moi? Je vais aller en bas. Je vais aller en dessous, voilà. Tout à l'heure, j'étais au-dessus, là, je vais aller en dessous. On va changer. On va changer un peu. Et je vais me foutre sur le côté si je me fais pas repérer. Impeccable. Essayer de le suivre comme ça. Le truc à peine repérable quoi. C'est abusé. Faut juste pas que ma manette déconne à ce moment là quoi. Oh purée, j'ai cru que ça allait le faire. Voilà, je vais rester comme ça pour le moment. On va attendre qu'il regarde derrière lui. Ah, il le fait même pas. Ah, tout à l'heure c'est parce que je suis sorti d'un coup peut-être. Si, voilà. Qu'as-tu appris? Manuel accepte de te rencontrer, Tarik. Il t'attend près de la porte de l'arsenal. Ce vieux sournois est impatient. Viens. Checkpoint atteint. Et enfin, enfin cette fin de mission. Alors c'était pas la mission la plus passionnante, mais bon. On va se rapprocher tranquillement de la prochaine mission, hein. Et on se quittera. Oh. Je suis désolé monsieur, j'ai pas voulu le faire. On se quittera là-dessus puisque bon, j'ai pas envie de me lancer dans une autre mission qui, ça se trouve, sera aussi long que celle-là et aussi chiant. Donc on verra bien. Je vais me rapprocher tout doucement et si on trouve en plus un point d'observation, ça serait nickel. Histoire qu'on puisse se synchroniser et voilà, au moins
avoir un autre bout de map dégagé. Ça va être chose que je fais. Oh, c'est bon, j'ai réussi quand même. Hop. Donc on va se rapprocher tout doucement et on va avancer dans cette séquence 5 qui va s'avérer être peut-être un peu plus lente ou un peu plus rapide. On verra bien au fur et à mesure qu'on avancera. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, ça n'aura pas été un épisode dans le vent, pardon. Puisqu'on a tout de même fait, voilà, cette quête-là aujourd'hui qui servait, qui était lente, Et bien entendu, la mission d'Altaïr, qui elle par contre était importante pour finir la séquence 5 et savoir un peu plus sur cette fameuse pomme d'Hélène. Je réfléchis où c'est que je vais pouvoir sauter pour pas me faire trop mal. Alors, je veux descendre. Voilà, je sais que j'aurais pu sauter dans le tas de foin, mais non. Oh, puis si. Ça fait mal. Ça fait mal aux jambes, mais on continue. Et puis il va falloir que je pense aussi à réparer certaines boutiques, pardon, pour pouvoir continuer à acheter ou améliorer les armes et les armures. C'est surtout les armures qui me manquent. Bon, nous voilà à la mission, à la prochaine mission même. Je vois des épées là-bas, je sais pas ça va être quoi. On verra bien. Compter si tu veux, Tariq, mais l'argent restera avec moi tant que je n'aurai pas vu la cargaison et évalué sa qualité. Entendu. Tu es un homme avisé, Manuel. Sans cynisme, la confiance est dérisoire. Le compte est bon, Tariq. Tout est là. Et maintenant, tu pourras accéder à l'arsenal. Quand tu l'auras vérifié, la cargaison te sera livrée là où tu le souhaites. Tes hommes sont prêts à voyager. Absolument. Polykala, je te fournirai une carte qui te guidera bon port. Sommes-nous ici pour la même raison? Un de mes hommes aurait vu une cargaison d'armes entrer dans l'arsenal. Cela m'a intrigué. Des armes? J'aimerais les voir de mes propres yeux. À moins de tuer tout le monde, je ne vois pas comment entrer. Nous t'avons prévenu deux fois. Aucun marchand aux abords de l'arsenal. Débarrassez-moi de ça. Hypocrite! Si vos hommes n'achetaient pas mes fruits, je les vendrais ailleurs! Vous êtes pire que les Byzantins, sale traître! Ah ! Surveille ta langue, vermine. Même en temps de paix, les pauvres, eux, sont toujours en guerre. Donnons-leur une chance de crier leur colère. Ça pourrait servir notre cause. Accepté. Bon, on va continuer. Enfin, je vais voir si je vais continuer ou pas. L'épisode va peut-être être un peu plus long pour une fois. Ça dépend si la mission est vraiment dure ou pas. On va payer les zéros. Hop. Les deux autres là-bas. Bon, je passe là, je m'en fiche. Il est où l'autre? Là. Et le troisième. Il est où? Il est là. Voilà. Citoyens de Constantinople. Rejoignez les émeutiers qui se rassemblent devant la porte. Cette porte ne résistera pas longtemps. Le peuple te rend un grand service, Ezio. Assure-toi que personne ne soit blessé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas compris. Défendez les émeutiers, ils doivent être au moins 25, sinon ils se disperseront. Ah, je veux bien, mais faudrait déjà que je puisse les buter. Ça veut pas, c'est quoi ce délire? Voilà. Bon, l'épisode va être un peu plus long aujourd'hui, mais j'ai envie de finir cette mission quand même. Et c'est pas grave. De toute façon, je vais pas avoir le temps de faire la deuxième vidéo d'affilée, donc là je vais plutôt faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui, peut-être aussi pour rattraper les vidéos courtes que vous avez d'habitude. Et bon, voilà, pour une fois, entre guillemets, bah ce sera ça. Par contre, lui, ouais, vas-y, tiens-le, voilà. Par contre, je voudrais bien une épée, voilà. Plutôt prendre une épée, ça va être plus simple pour les buter. On essaie quand même de les aider, ça va être dur, j'essaie de me concentrer un peu.
Il en reste combien? 52? Bon, ça va. Il en faut 25, je crois. Allez, toi! Voilà! Encore, encore, il faut que j'en bute encore. Allez! Ah, d'accord, il est là-bas, c'est pour ça. J'attendais qu'il vienne, mais en fait, il est pas venu. Hop! Voilà! Voilà! Là, ça va aller vite, là. Oh, là, ça va aller vite. Ah, bah non. Ah, bah non. J'ai cru, mais non. Voilà! Ah, bah si les émeutiers mettent, ça va être impeccable. Voilà! Ah, ça va, on enchaîne, bim. Bim. Et l'autre là-bas. Voilà! Ça c'est fait. Ah, encore une deuxième vague, bah purée, ça en finit pas. Ah, j'avais même pas encore sorti mon épée. Allez, allez, poussez-vous. Et puis ils ont ramené des lances à moitié ou je sais pas quoi, la vache. Ça rigole plus. Il est où l'autre? Voilà. Alors, normalement, tu devrais cramer, mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas. L'autre là-bas. Oh mince, je voulais lui foutre un coup d'épée dans le dos. Allez. Allez. Allez, pépère. Voilà. Voilà. Attention, s'il reste moins de 25 émeutiers, vous serez désynchronisé. Oula, ouais, donc faut que je fasse gaffe quand même. Il en reste combien? 33. Oula. J'ai une marge de moins 25. Enfin, de moins 10, pardon. Synchronisation échec. Ah oui, ça c'est pas grave encore. Ça, je m'en fiche. Enfin, pour le walkthrough, je m'en fiche tout seul, bien entendu, que ça m'embêterait. Mais là, pour le walkthrough, c'est pas vraiment gênant. Par contre, toi, si tu pouvais mourir, surtout qu'il me reste plus beaucoup de, comment dire, de marge entre guillemets, donc il me reste plus que l'autre là-bas. J'espère qu'il va pas avoir fait. S'il fait, il se casse ou il vient? Ah non, il vient. Ah viens. Ah non, mais te casse pas. Sans plus, j'ai peur que ça soit. Ah non. Accepté. Suivez la piste de Manuel. Moi, en fait, moi je pense, vous savez quoi, bon allez hop, on continue. Je voulais arrêter, mais en fait on va continuer. On va essayer d'aller à 35 minutes à peu près, pas aller trop loin. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, non, en fait, je vais dire une bêtise, donc je ne dis rien. Normalement, je pensais qu'il allait falloir tuer le mec là sur le bateau, mais peut-être pas. Je sais plus vraiment. Normalement, voilà, on doit tuer quelqu'un sur un bateau en feu, c'est peut-être là. On verra bien, tout simplement. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, il faut faire. Voilà. Utiliser la vision d'aigle, on va bien voir où c'est que ça va nous amener. Ah non, bah en fait c'était même pas là en fait, ou qu'il fallait aller sur un bateau en feu. Oui, je sais, il y a plein de trucs d'animus, mais je m'en fiche un peu. On va continuer, nous. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. J'ai vraiment envie de finir la mission, et au moins on aura bien avancé aujourd'hui. Ah, on se rapproche, toi dégage. Ah la vache, il m'a eu. Enfin, il m'a eu, il a failli m'avoir. J'ai plus de... Ok, l'autre il monte tranquillement. Il s'en fiche, lui. Alors, c'est parti. Et arrête de me shooter dans le cul, toi. Je cherche où c'est qu'il est, l'autre. Ouais, je pense qu'il va être derrière les barricades, le truc à peine logique, quoi. Ah non, c'est même pas des barricades, j'ai cru. Bon, enfin, bref. Dans cette ville à jouer la comédie. Et voilà enfin qu'arrive mon heure. Lorsque les Palaiologos retrouveront leur trône, n'oublie pas qui t'aura aidé à le reprendre. Rassure-toi, mon ami. Jamais je ne trahirai un homme aussi influent que toi. Mais fais preuve de patience. Rome ne s'est pas faite en deux jours. Je suis satisfait. Conduis-moi mon bateau. Si un seul est endommagé, il n'est pas question que je paie. Merde.
échappez-vous de l'arsenal. C'est parti. Et de toute façon, je pense qu'on aura fini cet épisode pour aujourd'hui quand on aura réussi à se quitter, enfin à se quitter, à s'échapper du secteur. Je vais essayer de faire ça proprement et d'aller vite. Toi, ah mince, t'as été, ouais, dommage. Je voulais essayer de, oh merde, je voulais essayer de le shooter, mais non. Par contre, le secteur est aussi grand que ça, vache. Ça rigole pas ici. Ok, bon c'est pas grave, normalement j'aurais pu m'agripper, mais bon on va rien dire. C'est quand tu veux, Dio, pour remonter à la surface par contre. Parce que là en gros pour vous dire j'arrive pas... Ah non d'accord, je suis dans un bug. C'est magnifique, voilà. J'étais coincé, parce que je me suis dit purée mais il est long à remonter, mais non en fait j'étais coincé dans le truc. On va prendre un remède sinon on va bientôt crever. Ah quoi, me dis pas qu'on peut pas monter non plus sur le bateau. Ah je préfère. Allez. Oh. Oh, ça va être les... ça va être le truc chiant. J'ai bien torché cette mission là et ça va être le truc chiant, ça va être juste de se barrer de ce secteur là mort moelle neuf. De toute façon j'arrêterai pas l'épisode tant que j'aurai pas quitté ce secteur. Bon, je vais essayer d'appeler des assassins histoire de me couvrir un peu le temps que je m'éloigne plus que ça, parce que là je suis vraiment pas assez éloigné. Bon, de toute façon je pense qu'il faut quitter tout à fait la zone de combat quoi, le château à moitié. Donc je sais pas par où je suis passé tout à l'heure. Non, c'est même pas un château, on est dans quoi? Je sais même pas trop dans on est dans quoi. On va continuer, en tout cas on a réussi à échapper aux ennemis, ça c'est plutôt bien. Je pense qu'ils sont acharnés sur nos soldats. Voilà, on arrive à la fin. Et en plus on voit les soldats et tout qui se rampent. Voilà. Et bien voilà les amis, aujourd'hui on aura fait quand même... Un petit bout de chemin, j'avais dit. On aura fait quelque chose de plus intéressant que dans certains épisodes. Je suis désolé de la vidéo un peu plus longue. Mais bon, quoique 10 minutes de plus par rapport aux vidéos courtes que d'habitude je fais ou quoi. Des fois je fais 20, 22. Bah là, vous avez 10 minutes de plus et au moins vous aurez une mission complète. Parce que je trouvais ça un peu dommage de la couper en deux. Donc voilà, j'espère quand même que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre les prochaines vidéos. En attendant, moi je vais aller réparer ça là-bas. Si vous voulez voir les prochaines vidéos... Ok, d'accord. je voulais faire autre chose en même temps, mais en fait, on va mieux pas. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Et je sais même plus si je vous ai dit de vous abonner à la chaîne. Mais en tout cas, abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos, si je l'avais dit. Geekez bien, c'était Shadow Nightmare. À la prochaine, et j'espère que la vidéo vous aura tout de même.